Bonjour et bienvenue à tous, mangeuses et mangeurs malins, dans l'épisode 126 de Apprenons Ensemble. Comme d'habitude, nous allons réviser des flashcards santé à l'aide de l'IA pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Vous êtes prêts? Let's go! Quels sont les bienfaits d'une solitude raisonnée? Ouh, ça fait longtemps celle-ci. Hyper intéressant, donc la solitude raisonnée, donc se retrouver seul de façon volontaire, de façon choisie, ça a pas mal d'effets intéressants pour la santé hein, aussi. C'est pour ça que c'est une flashcard qu'on fait ensemble aujourd'hui et qui est présente dans le deck santé. Je dirais d'abord que dans ces bienfaits, il y a tout ce qui va repousser ce qui nuit à la santé mentale. Et en tête, j'ai notamment les distractions. Ça va limiter les distractions, réajuster l'équilibre de son propre avis et de l'avis des autres, notamment en s'écartant un peu des réseaux sociaux via cette solitude modérée. Bien entendu, ça permet d'avoir un bon moment de réflexion pour clarifier en fait toutes nos pensées de façon plus performante que si on était constamment en alerte, distrait ou tout simplement pas en pleine concentration. Quand je parlais des réseaux sociaux aussi, le fait de faire cette solitude modérée permet de se ressourcer en écartant certains facteurs négatifs comme les réseaux sociaux qui peut ingérer du stress ou une perte d'énergie en fait en tout genre, en s'écartant en fait de temps en temps. Je dirais même aussi de la créativité car le fait aussi de se retrouver seul peut donner des envies de créativité, des idées, des nouvelles idées intéressantes, ou même le fait aussi de se retrouver à un moment seul, sans forcément méditer, hein, peut-être par exemple donner à quelqu'un envie de dessiner. Donc créativité est intéressant pour ça aussi, ou d'écrire, etc. Hein, toute forme de créativité. Je cherche d'autres exemples. La concentration, j'avais dit tout à l'heure que ça permettait de se limiter, de s'écarter un peu des distractions. À l'inverse, du coup, ça favorise la concentration, ça l'améliore, et c'est tout à fait ce qu'on veut. Donc c'est hyper intéressant. Je sais pas quoi dire d'autre là. En plus, je pense qu'il y en a encore pas mal d'exemples à citer, des bienfaits que ça peut apporter, surtout dans la société actuelle. On va voir ce que nous dit l'IA. C'est parti. Quels sont les bienfaits d'une solitude raisonnée? La solitude raisonnée, c'est-à-dire choisie et contrôlée, peut apporter de nombreux bienfaits psychologiques et émotionnels, notamment en améliorant la connaissance de soi, la créativité et en réduisant le stress. Lorsque la solitude est bien gérée, elle permet un moment de pause dans les interactions sociales incessantes, offrant l'opportunité de se reconnecter avec ses propres pensées et émotions. Cela peut aider à clarifier les objectifs personnels et les valeurs, un peu comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de ton ordinateur pour résoudre des problèmes de surcharge. Pense à la solitude comme à un jardin secret où tu peux cultiver tes idées les plus personnelles et créatives sans les interférences du monde extérieur. Ce jardin nécessite une attention et un entretien pour fleurir. Tout comme la solitude doit être équilibrée avec la socialisation pour maintenir un bien-être psychologique. Le terme « solitude » vient du latin « solitudo », qui signifie « état d'être seul ». Ce terme met l'accent sur l'état d'isolement, mais sans la connotation négative souvent associée à la solitude non désirée. Si tu étais un personnage dans un jeu de survie, la solitude serait ta base secrète où tu te ressources, fabrique tes outils et planifie tes prochaines aventures sans zombies pour te déranger. En santé mentale, la solitude contrôlée peut être utilisée comme une technique de gestion du stress, permettant de réduire l'anxiété et de prévenir l'épuisement émotionnel. Elle est également utile pour stimuler la réflexion profonde et la résolution créative de problèmes. Conclusion. Bien gérée. La solitude peut être une ressource précieuse pour l'épanouissement personnel, favorisant la créativité, la réflexion et la régénération mentale. Quel est le principal avantage psychologique de la solitude raisonnée sur la connaissance de soi? Je dirais du coup la gestion du stress. Ta réponse touche un aspect important. Mais pour être plus précis par rapport à la question, l'avantage principal de la solitude raisonnée sur la connaissance de soi est qu'elle permet une introspection profonde. Cela aide à mieux se comprendre,
à clarifier ses propres valeurs et objectifs et à développer une plus grande indépendance émotionnelle. La gestion du stress est également un bénéfice crucial, bien sûr. Et c'est super que tu l'aies mentionné, car cela montre que tu comprends l'importance de la solitude pour le bien-être général. Tu es bien en route pour maîtriser ces concepts. Si tu veux approfondir d'autres sujets ou si tu as d'autres questions, je suis là pour ça. Super, merci. Donne-moi une liste de bienfaits sur la solitude raisonnée, s'il te plaît. Amélioration de la connaissance de soi. La solitude offre l'opportunité de réfléchir à ses propres pensées, émotions et comportements, facilitant ainsi une meilleure compréhension de soi-même. Stimulation de la créativité. Sans les distractions habituelles des interactions sociales, la solitude peut favoriser un espace mental où la créativité peut s'épanouir, permettant de générer de nouvelles idées ou de résoudre des problèmes de manière innovante. 3. Réduction du stress et de l'anxiété. Se retrouver seul permet de se détendre et de décompresser, loin du tumulte et des exigences sociales, ce qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété. 4. Augmentation de la productivité. Avec moins de distractions sociales, la solitude peut augmenter la concentration et l'efficacité dans les tâches, améliorant la productivité. 5. Développement de l'autonomie. Passer du temps seul peut renforcer l'indépendance et la confiance en soi, en apprenant à se suffire à soi-même et à prendre des décisions sans influence extérieure. 6. Amélioration des relations interpersonnelles. En comprenant mieux ses propres besoins et limites, on peut mieux interagir avec les autres, établissant des relations plus saines et plus équilibrées. 7. Renforcement de la résilience mentale. La capacité à être seul sans se sentir isolé ou anxieux peut renforcer la résilience mentale, préparant mieux à faire face aux défis futurs. 8. Opportunité de planification et de réflexion. La solitude offre le calme nécessaire pour réfléchir à long terme, planifier sa vie et ses objectifs sans pression extérieure. Ces bienfaits montrent que, loin d'être une condition à éviter, une solitude bien gérée et choisie peut être un puissant outil de développement personnel et de bien-être mental. Super. Flashcard suivante. C'est quoi la phagocytose ? Oh non, pas les systèmes militaires. Bon, c'est mon point faible, mais bon, il faut y aller. C'est comme ça qu'on apprend, surtout en travaillant sur nos points faibles. Donc, la phagocytose, qu'est-ce que c'est ? La phagocytose, c'est un processus biologique, et notamment un processus cellulaire qui consiste en fait à regrouper un ensemble de cellules qu'on appelle du coup un phagocyte, cet ensemble de cellules, et ce phagocyte a la particularité d'ingérer du non-soi, on va dire, enfin des cellules étrangères, des corps étrangers, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer plus simplement. Après, il y a aussi un truc que j'ai pas compris, c'est que en fonction des cellules regroupées pour former le phagocyte après devient plus ou moins efficace en fonction des cellules qui ont été regroupées. Je saurais pas citer lesquelles, j'ai juste les neutrophiles en tête. Qui sont efficaces, il y en a plein d'autres, et après il y en a qui sont moins efficaces. Je suis en train de réfléchir, mais je sais vraiment pas quoi dire d'autre là. Donc passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi la phagocytose ? La phagocytose est un processus par lequel certaines cellules de l'organisme, principalement les phagocytes comme les macrophages et les neutrophiles, engloutissent et détruisent les particules étrangères comme des bactéries ou des débris cellulaires. Imagine un petit Pac-Man dans ton corps, où les phagocytes jouent le rôle de Pac-Man. Ces cellules parcourent le système circulatoire et les tissus, repérant les ennemis tels que les bactéries, les virus ou les cellules endommagées. Une fois qu'un phagocyte rencontre une particule étrangère, il l'entoure et l'engloutit, formant une structure interne appelée phagosome. Le phagosome fusionne ensuite avec un lysosome, une autre structure cellulaire contenant des enzymes digestives, formant un phagolysosome où la particule est décomposée et digérée.
bien que le principe de clé-serrure ne s'applique pas directement à la phagocytose, comme il le fait pour les interactions enzyme-substrat ou récepteur-ligand, le processus d'identification des particules étrangères par les récepteurs des phagocytes pourrait être vu comme une sorte de reconnaissance spécifique. Les récepteurs sur les phagocytes reconnaissent et se lient à des motifs spécifiques présents sur les pathogènes. Le terme phagocytose vient des mots grecs phago, qui signifie manger, et cytose, qui se rapporte aux cellules. Cela décrit littéralement le processus par lequel les cellules mangent ou ingèrent d'autres particules. Si les phagocytes étaient des personnages dans un jeu de stratégie, ils seraient des unités de nettoyage, chargées de patrouiller et de garder le terrain propre en éliminant rapidement tout intrus ou débris gênant. En médecine, comprendre et manipuler la phagocytose peut aider à traiter les infections, à gérer les réponses inflammatoires et même à développer des thérapies pour des maladies où les débris cellulaires doivent être éliminés efficacement. La phagocytose est un mécanisme de défense essentiel qui permet à l'organisme de se défendre contre les infections et de maintenir l'homéostasie en éliminant les débris et les cellules mortes. Quels types de cellules dans le corps humain sont principalement responsables de la phagocytose? Alors, j'ai pas tout suivi là, mais je dirais du coup les neutrophiles, comme je l'avais dit au début, les macrophages aussi, et les autres, je sais pas du tout. Exactement. Tu as bien suivi. Les neutrophiles et les macrophages sont en effet les principaux types de cellules responsables de la phagocytose dans le corps humain. Les neutrophiles sont souvent les premiers à arriver sur le site d'une infection et à engloutir les agents pathogènes, tandis que les macrophages sont des cellules immunitaires spécialisées dans la phagocytose à long terme, se déplaçant dans tout le corps pour éliminer les débris et les pathogènes. Tu as une excellente compréhension de ce sujet. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !